Bonjour, ici Clément Koulibaly. J'espère que vous allez bien. Pensons-nous aux pauvres. Savez-vous que Dieu aime particulièrement les pauvres? Si nous aimons Dieu, notre cœur doit également être tourné vers eux. Est-ce le cas? Venons-nous en aide aux personnes dans le besoin, aux indigents, aux nécessiteux, ou est-ce que notre cœur leur est fermé? Nous arrive-t-il de soutenir des œuvres, des ministères ou des organismes qui viennent en aide aux étrangers, aux pauvres, aux veuves et aux orphelins Plusieurs passages dans la Bible nous décrivent le cœur de Dieu, sa sensibilité à l'égard de telles personnes. En Deutéronome 15, verset 7, il est écrit par exemple, S'il y a chez toi quelqu'un indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras pas, tu n'endurciras point ton cœur, et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur, et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Dieu donna un autre ordre dans lequel il décrivait le comportement à avoir envers l'étranger, la veuve et l'orphelin. En Deutéronome 24-19, il est écrit, Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre elle sera pour l'étranger pour l'orphelin et pour la veuve afin que l'éternel ton dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains nous arrive-t-il de rendre des visites ou d'aider des veuves la religion pure et sans tache devant dieu notre père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde Jacques 1, 27. Les étrangers, est-ce qu'on les méprise Les traitons-nous de migrants Est-ce que nous les voyons comme des envahisseurs, des personnes qui viennent déranger notre quiétude Je me rappelle, il y a plusieurs années, quelqu'un me racontait, une amie me racontait que euh, lorsqu'elle était venue, euh, faisait de hautes études, elle faisait son doctorat, je crois, et, et une personne lui disait, ben, ah, tu sais, nous, on n'aime pas beaucoup les étrangers parce qu'ils viennent voler nos emplois. Donc, ça avait choqué mon ami et, 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 et cette dame-là. Euh, en tout cas, vraiment, c'était sa mentalité. Donc, vous voyez, comment est-ce que nous les considérons Comment est-ce que nous voyons les étrangers Vous savez, nous sommes des étrangers. Fondamentalement, nous sommes tous des étrangers. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Qu'en est-il des orphelins Nous en connaissons sûrement. Est-ce que nous faisons un geste à leur égard? Oui, c'est bien de prier pour eux, mais il faut agir aussi. Demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux si nous ne répondons à aucun de ses besoins. Nous pourrions être à leur place, soyons donc remplis de compassion. Voyons maintenant certains versets tirés du livre des Proverbes. Proverbe 14, 31. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigence, c'est l'honorer. Proverbe 17,5 Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre C'est Proverbe 19,17. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Proverbe 22, 9. Et finalement, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Proverbe 28, 27. Rappelez-vous de la destruction des villes de Sodome et Gomorre. Nous savons selon le récit de la Genèse, en Genèse 18 et 19, que ces deux villes ont été détruites à cause de leur immense péché, surtout celui de l'homosexualité. Mais dans le livre d'Ézéchiel, voici un autre pan de leur péché qui est décrit par le prophète. En Ézéchiel 16, 49, nous lisons... Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une, insouciante, dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Qu'est-ce qu'elle faisait, Sodome? Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance. Et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du pauvre, la main du malheureux et de l'indigent. Donc, selon Ézéchiel, non seulement les habitants de Sodome et de Gomorrhe étaient remplis d'orgueil, mais en plus, ils n'en avaient que faire des malheureux et des indigents. Ne sommes-nous pas, à bien des égards, aujourd'hui comme Sodome et Gomorrhe mais l'Éternel est d'un amour et d'une patience extrême, une patience extrême afin que le plus grand nombre de personnes se repentent de leurs péchés et se convertissent au Seigneur Jésus. En 2 Pierre 3:9, nous lisons le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance. À propos du Seigneur Jésus, que dit-il sur le sujet Voici sa réponse à un jeune homme riche qui lui demandait ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui dit Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Matthieu 19, 21. Devez-vous faire la même chose? Non, pas forcément. Tout dépend de ce que le Saint-Esprit vous dira, de ce qui va pointer dans votre vie. Mais s'il vous dit de le faire, alors faites-le. S'il nous dit de le faire, alors faisons-le. Le fait d'être disciple de Jésus. Ne consiste pas uniquement à prier, à jeûner, à connaître la Bible, etc. En Matthieu 10, 42, Jésus dit Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Finalement, vers la fin de sa vie sur cette terre des hommes, le Seigneur Jésus a véritablement ouvert son cœur. À ses disciples, et voici ce qu'il leur a dit et ce qu'il nous dit aussi à nous aujourd'hui. En Matthieu 25, 31, 46, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger, ou avoir soif et avons-nous donné à boire Quand avons-nous vu étranger et tavons nous recueilli, ou nu et tavons nous vêtu Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi Et le roi leur répondra, Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim. Et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté Et il leur répondra je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Matthieu 25, 31 à 46. Alors, comme pouvait dire l'apôtre Jean, si quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean 3, 17 à 18. Alors, changeons notre regard sur ceux qu'on considère à tort comme les parias de la société les prostituées, les drogués, les itinérants, les sans-abri, les alcooliques, les veuves, les orphelins, etc. Et avec l'aide du Seigneur, aimons en action, pas en parole seulement. Au nom de Jésus, Amen. Donc, que Dieu vous bénisse, courant encore plus dans la présence du Seigneur Jésus, sachant qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'il est Dieu. Et n'oubliez surtout pas que Jésus revient. Très bientôt. Merci et à la prochaine.